Des francs-tireurs partout et ils savent que nous sommes là. Ils donnent l'assaut. Ils arrivent. Ils veulent une mort honorable ou quoi? Ils nous testent, histoire de savoir. Leur compte est bon. Tenez-vous prêts. Les autres vont pas tarder. Yeah!
je le vois pas. Tuez-le. Attention, l'ami. Tout bim. Une seconde. Mais putain.
Il s'effondre. Soigne-moi, Jim! Reste avec moi! Pilsen! Montez et regardez ça! Allez, t'as plus rien. Ils arrivent! Ils chargent! Attention! Ils chargent! Attention! Il est mort! Ils vont tirer! Reste pas là! Je crois que c'est bon. Ouais. RS! Où est le Hot Glory? Faites-le monter! Messager! Droit devant! Le 19 novembre 1943, quand la fumée s'est dissipée, plus de 5000 Américains et Japonais gisaient sur une plage à peine plus grande que deux ou trois terrains de foot. Un amiral du Japon a dit un jour qu'un siècle et un million d'hommes ne suffiraient pas pour prendre Tarawa. Perdu. Les Marines se sont prises en trois jours. Et maintenant, c'est terminé. Enfin, pas tout à fait. On n'est qu'à mi-chemin de Tokyo, mais Dieu merci, on est toujours de ce monde. J'espère qu'on va avoir une petite perle, mais la tyrannie ne se repose pas. Et la liberté, faut la gagner. Debout, soldats! On débarrasse le plancher! Je suis donc allé à l'infirmerie pour mes vaccins et il y avait ces deux infirmières qui piquaient à tour de bras. Une de ces dames ressemblait à Betty Grable. Waouh, de ses jambes. Mais l'autre, c'était plutôt Clark Gable, moustache comprise. Je plaisante pas, les gars. En faisant la queue, j'arrêtais pas de me dire « Mon Dieu, je suis volontaire, faites que je sois piqué par Betty ». Je me suis rapproché, mais il y avait juste un mec devant moi, un maigrelet couvert de taches de rousseur. Ce salopard allait avoir Grable. Elle avait un uniforme qui lui bombait la poitrine.
Mais pas question que je me tape l'autre Red Butler en jupon. La belle s'est tournée vers ce boutonneux et lui a demandé s'il avait peur des aiguilles. Laissez-moi vous dire un truc, chez ce gamin, toutes les bonnes femmes doivent être des planches à pain parce qu'il bavait comme c'est pas permis. Je l'ai poussé et j'ai dit à Betty qu'un bon marine avait peur de rien. À ce moment, Miss Clark Gable s'est avancée, a planté une aiguille dans mon bras et m'a dit « Un vrai marine est assez bien élevé pour attendre son tour. » Vous savez ce que je lui ai répondu ? Franchement, ma chère, alors là, c'est le cadet de mes soucis.